Bonjour à tous les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans Fafa, la seule émission à polémique en Côte d'Ivoire où on casse tous les papos sans état d'âme. Comme tous les samedis, nous avons un invité. Aujourd'hui, on a décidé de recevoir celui-là même qui s'est fait connaître grâce à Arafat DJ parce qu'il a dansé à ses côtés pendant des années. Vous l'avez deviné, Bébé Sans Os est l'invité de Fafa. Alors, Bébé Sans Os. Bébé Sans Os. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ou bien comme tu as mais c'est la paire de lunettes qui voilà. Tu penses qu'il va pleuvoir? En fait, si t'es, c'est bonjour, mais dans ma gamme, c'est bonsoir. Bon, c'est normal parce que noir, normalement, tu vois en blanc noir, là, tu crois qu'il fait noir. Vous avez tout compris. Non, non. En tout cas, bienvenue chez nous à Ivoire TV Musique. C'est aussi ta maison, hein. Bienvenue dans Fafa. Mets-toi tes aises, tu veux boire quelque chose. Tu nous connais déjà, non? Défalé, Soula. D'accord, okay. Ok. Alors, on va commencer par le début. Bébé Sans Os. C'est le pseudonyme, hein, c'est le nom artistique. À l'état civil, qui es-tu? À l'état civil, je suis Otto Ngali Guillaume. Mon père, il a du Kourou, ma mère est Bété. D'accord. Voilà. Et tu as grandi où? J'ai grandi. Je suis né à Trècheville, j'ai grandi à Yopougon. Ah, d'accord. Né à Trècheville, tu as grandi à Yopougon. Alors maintenant, Bébé Sans Os, d'où tu sors ce nom? Bébé Sans Os, je sors le nom de l'émission de. Je me rappelle bien son nom. John Jay. Podium. Podium. Ah, voilà. Autant j'avais été élu meilleur danseur de Côte d'Ivoire en 2006-2007. D'accord. Voilà. Donc, du coup, j'étais sollicité à son émission. En ce moment, c'était en live. Mm-hmm. Et on n'avait pas calé de morceaux. Donc, du coup, j'ai improvisé avec le batteur. D'accord. C'est ainsi que le nom Bébé Sans est né. Et pourquoi Bébé Sans? Bébé Sans parce que, pour moi, je suis beaucoup croyant. Voilà. L'apparence est trompée. Je suis beaucoup croyant. Et pour moi, comme je le sais, le royaume des cieux appartient aux enfants. Pas, on n'a pas des fois avoir 8 ans, mais pas avoir l'esprit sage d'un enfant. Donc du coup, bébé, parce que je me dis, si je me fais appeler bébé, je prends le cœur des enfants. Et plus les enfants aiment, papa va savoir, tu écoutes quel mieux, mais c'est qui ton fan, mais maman. Donc du coup, si tu as pris l'enfant, tu as pris le père, tu as pris la mère. Mais est-ce que tu es un bébé? Je ne suis pas un bébé. Tu as des bébés? Oui, j'en ai des bébés. Ah ouais? Bien sûr, combien de bébés tu as? Ah bon là. Déclare. Je déclare. Ouais. Ah, déclare tes noms. On va déclarer dans la déclaration. Déclarons donc. Ok. J'ai des jumelles de 17 ans bientôt. Et j'ai des 18 ans bientôt qui ont 17 ans. Waouh. Voilà. Elles sont à Boaké. Ouais. Un bébé qui a des jumelles de 18 ans. Voilà. Tu n'es pas aussi bébé que ça. Tu n'es pas aussi bébé que ça. Maintenant, j'ai une fille, André. Où on est ici, là? Oui, André. Voilà. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Waouh. Même bébé, sans enceinte, est-ce que son temps est à quel âge? Moi? Est-ce que vous voulez demander? Ok, si vous voulez savoir mon âge, oui. Parce qu'une émission, ça peut plus s'effacer. Non. Mais c'est toi t'as supprimé, c'est qu'on veut le vent sauvegarder. Mm-hmm. Dans les derniers, je suis né le 6 mars 1987. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. 36 ans. Voilà. Wow. Exactly. Donc, tu as été premier enfant à l'âge de 18 ans. Yes, I. Donc, si on enlève 18 ans dans tes 36 ans, ça veut dire que tu les as eu à quel âge? Vous me souscrivez? On peut appeler Juju? C'est pas... Mes filles ont 18 ans bientôt. Je vous le dis clair. Tu as 36 ans, tu as les filles de bientôt 18 ans. Mais oui. Et toi, tu as 36 ans. Donc, si je comprends bien. Calcule la jeunesse, quand j'ai connu une fille. Dans ma... ouais. En fait, c'est pas moi. Donc, tu n'étais pas encore majeur. Et puis, tu voilà, oui. Enfants. Et puis, j'ai eu des enfants. Tu as eu tes enfants à 12 ans? Pas 12 ans, même pas 12 ans. À 17 ans. 17 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. À 17 ans, 18 ans. Ah, à 16 ans, 17 ans déjà. Toi, tu ne prends pas le nez. Déjà. Bon, toi, tu es bébé comment? Si toi, à 16 ans, 17 ans, toi, tu fracassais déjà. Déjà, on prend des jeunes français sous la casserole. Maintenant, tu finis tout ça là, tu entames une carrière, tu dis que tu es bébé. Ce que j'ai expliqué, je me fais appeler bébé parce que j'aime les enfants. Et quand les enfants me voient, sans me voir, au fait, ils pensent que c'est un enfant, bébé, c'est pas une bébé. Ils sont pas nés, on entend bébé sans os. Souvent, même là, souvent qu'ils me croisent même là. Ils pensent qu'ils ont la même âge que toi. Que j'ai bab. En fait, pour un bébé, en fait, et puis dans Babla, il y aurait des poils blancs dedans, c'est que c'est pas de la même foi. Donc en fait, ils ont la même corpulence, la corpulence des enfants. Donc quand ils le voient, voilà. Ils pensaient que c'était la camarade d'après. Le côté sans os maintenant, c'est le côté souplesse. Souplesse, voilà, c'est ça. Parce que
Ouais, tu partout. Hein. Mais non, bébé, il paraît que dans ta souplesse là, tu te pommades partout quand ça chauffe. J'ai, tu veux qu'il donne le son? Faut donner le son. C'est de quoi il parle. Mais bébé sans os. Mm-hmm. Moi, j'ai vu une vidéo de toi aujourd'hui, hein, justement, aujourd'hui. Quand on m'a dit oui, aujourd'hui avec Obams. Ah, ok. Je pense que c'était dans un bar, un truc chez comme Badro, ça. Chez Badro. D'accord. Mm-hmm. Qui est mon futur producteur. Puis Nous, on va reparler de ça tout à l'heure. Il ne faut pas commencer à donner toutes les balles. Non, moi, je suis à aller là-bas encore. Parlons de la vidéo. Mm-hmm. Je t'avouerai que dans la vidéo, quand je t'ai vu danser, il y a quelque chose qui m'a frappé. Cette chose, c'est le troisième pied, hein, bébé sans os. Il faut dire que beaucoup disent que tu es vraiment garni à ce niveau. Qu'en est-il exactement? Tu es une kikinette ou tu es un vrai garçon? Question aussi, c'est la ligne. Et on a vu dans la vidéo, vraiment, la culotte que tu as portée, ça balançait. Et dans les commentaires, même les gens disaient que... Bébé sans os, ce petit gabarit, André la c'est un garçon. C'est un garçon. Et les meilleurs disent, en fait, en un mot, Dieu n'oublie jamais la taille d'une personne. Et quoi? Si Dieu ne m'a pas créé grand, il m'a créé long. Tu viens de mal. Je n'ai pas compris. Dieu n'oublie jamais la taille d'une personne. Si Dieu ne m'a pas créé grand, il m'a créé long. Parce que j'ai meilleur dit en un mot, si les hommes étaient des arbres, d'autres seraient des fromagers, des baobabs, moi aussi carottes. Petit toit en haut, tout la racine en bas. Désormais, carotte. Voilà pourquoi tu es dans ma chérie, désormais, appelez-moi monsieur la carotte. La carotte. Voilà. Mais la carotte aussi, là, ça veut dire aussi, en bon français, ça veut dire aussi l'arnaque, hein, donc il faut faire attention. Attention. Bon, en fait, on dit un nom sur un mot peut s'employer dans plusieurs sens, selon ta vision. Moi, dans ma vision, si carotte elle lance pied haut, moi, dans ma vision, là, c'est ce que j'ai expliqué, selon la question qu'elle a posée. Mais alors, mais Chola, moi, je pense que bébé sans. Mais tu ne penses pas que ça va être un peu difficile pour toi de revenir? Tu sais pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on constate la présence d'un certain bébé sans os de main. Il est sur les réseaux sociaux, il est actif, il t'emboîte le pas, il utilise ton nom, il utilise ta manière de danser. Oui. Et puis, il fait mal encore pour mettre dessus pendant ce temps, toi, tu es dans le. Qu'est-ce que vous appelez, il fait mal? Ah, on le voit pas forcément. Il fait pas mal. Alors que l'original est perdu quelque part dans la nature. Je ne suis pas perdu. Vous savez, dans la vie, dans ma tête, dans ma vision, j'ai mes objectifs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous ne remarquez pas que beaucoup de danseurs sont là en bain, calés. Entre autres, ordinateur et tout ça. Il y a près de 8 passeports, c'est pas à discuter. J'ai voyagé à travers la famille. C'est pas. Il y a voyagé que d'autres, beaucoup d'artistes même. Et partout à Rafat est rentré, moi aussi parti avec mon passeport. Bien sûr. Même dans des soirées privées, moi, je voyage en jet privé. C'est pas à Talakou. Donc, c'est pour dire que j'ai ma vision à moi. C'est vrai, tout le monde veut copier. Mais aujourd'hui, moi, je copie grand. Parce que je me dis quoi, un Osby, un ancien danseur. Parce que je suis beaucoup les artistes qui étaient ex-chorégraphes. Parce que moi, j'ai ma vision. Moi, j'étudie où je vais. Ok. Un Osby, ex-chorégraphe. Chris Brown, ex-chorégraphe. Asher, pareil. Diamond Platinum, pareil. Piscoué, pareil. On ne peut pas quitter là. Donc, on ne peut jamais parler de la musique sans parler de la danse. Et c'est la danse qui met en valeur une musique. Moi, je suis l'initiateur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez les mouvements que vous faites, quand on fait les mouvements, on nomine les gens. Est-ce que vous voyez, on met les dents. Ça se fait il y a longtemps. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas talent. Moi, et ma vision, il veut l'eau. Il ne faut pas me mettre. On dit quoi pour moi et ma vision. Moi, c'est pour dire que j'avance pas à pas. Mais justement, bébé sans. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, si on parle de bébé sans demain, moi, je rends gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il t'a contacté pour te dire, je vais prendre ton nom pour me faire connaître? Est-ce qu'il est déjà rencontré? Dans le coupé décalé maintenant, tu as posé une bonne question fiable parce que dans le coupé décalé, c'est tout ce qui est immature, tout ce qui est bête qui marche. Donc, tu as dit que ce qu'il fait là, c'est bête quoi? C'est pas que c'est bête, je viens. Bah après, il n'est pas aussi bon danseur que lui. Hein, j'ai parlé en général. Quand j'ai dit en général, aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas du sérieux. Que les gens aiment. Qui prend sur un genre sur lui, pas, c'est ce qu'il fait là. C'est pas sérieux. Sérieux. C'est pas du sérieux. Si on veut voir dans la norme. Est-ce que tu trouves qu'il est bon danseur? C'est pas un danseur. Il vaut rien ou bien il est fort? C'est pas un danseur. Pour que je réponde, d'abord, ce n'est pas un danseur. Mais entre le public est plus fort. D'abord, tu ne peux pas poser un professeur entre l'élève et le professeur. Mais lui n'a jamais dit qu'il était ton élève. On demande tout simplement. Non, c'est pas que lui n'a pas besoin de le dire. Mais entre le coupé décalé, le showbiz. Toi-même, mon vieux, toi-même, depuis quand tu étais dans la nuit, autant avant que tu t'es converti, quand tu étais dans la nuit, là. Tu m'as vu, il n'est même pas bas. Mais vois, petit coin. Oui, je ne dis pas le contraire. Autant moi, danser là. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y avait danseur aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a eu des sosies comme nous. Nous, on a eu des gens qui s'appellent Défalé, tout ça. C'est pas démoral. Je viens. C'est un voilà. Nous, on a des gens qui s'appellent Défalé, on a eu des gens qui s'appellent Douxa, on a vu tout ça. Ok. Mais je dis par là que quoi? Ce ne sont pas des personnes qui font les mêmes choses que nous faisons. Mais toi, pour toi, là,
Ce que toi tu fais là, il y a un gars qui est en train de faire ça à l'air, et puis il entend. C'est-à-dire que. Non, c'est rectificatif. Comment ça? Ne dis pas que ce que tu es en train de faire là. Non, ce que toi tu faisais. Ce que tu as fait par le passé. Ouais, ce que tu as fait. Voilà. Tu montais. Il essaie de faire. Mais ce que tu as fait, il a fait. Mais c'est ça, on t'a demandé entre lui et toi qui est fort. Entre bébé sans os de moi et bébé sans os l'original. Moi, je vais mettre l'original après le moment parce que c'est toi qu'on a connu en première position. C'est comme. Qui est fort entre vous deux? Ça, c'est une question. Des pics, parce que quand on me pose à moi aujourd'hui, oui, c'est une question de pique. Parce que quand aujourd'hui, moi, je n'ai pas dit que je suis le plus fort, mais je reste le meilleur. Mmh? Oui, c'est tu comptes quoi? Je ne compte pas sur quelque chose. Tu es plus fort qu'ordinateur? Ça, ce n'est pas un discours à débattre. Ah, ordinateur, bébé sans ordi. Ordinateur, c'est ma formation. Ah, mais l'élève a surpassé le maître apparemment. Donc, c'est toi qui as formé. Cette ambition, je ne peux pas t'en vouloir. Tout le monde n'a pas la même vision. Donc, c'est toi qui as formé ordinateur. C'est toi qui as formé. Je l'ai formé. Dans quoi? Dans la danse. Mais, laisse-moi. Attends, vous me connaissez dans quoi? Dans c'est toi qui l'as envoyé danser avec Arafat? C'est dans la danse, elle est formée. C'est pas dans la pêche. C'est toi qui l'as envoyé danser avec Arafat? C'est pas moi qui l'ai envoyé. Envoie quelqu'un, ne veut pas dire que tu l'as formé. Là-bas. Tu es d'accord avec moi? Moi, je peux te former et puis demain, tu travailles dans une grande société. Ou ça, je peux te former. Et puis un jour comme ça, ton rêve, c'est de venir travailler dans ma société. Mais un peu à travers. Tu es le premier chez Arafat. Mais ordinateur, venez trouver chez Arafat. D'accord. Non, c'est une question. C'est juste une question. On savait pas où. Ordinateur, c'est pas mon ami, c'est mon fils, c'est mon petit frère. Okay. Mais dans le boulot, pour le respect, tu connais vis-à-vis de l'homme et le travail. D'accord. Pour ne pas frustrer ton prochain, là. Dieu, mon collègue, mon frère. Mais quand tu vois bébé sans os de main, en train de se trémousser sur la toile, ça te fait pas mal au cœur un peu? Tu n'es pas aigri. Pas mal au cœur d'abord, à la base, d'abord, quand j'ai vu, j'étais joyeux. D'abord, à la base. Ouais, tu étais joyeux. Mais ça, c'est quand parce il n'est viens... pas encore bien pris d'abord. Non, peut-être tu ne me comprends pas. Moi, je le connais. Ou c'est pas la prise que j'ai entendu son nom. Ah. Mais c'est ça, donc, tu connais qu'il a pris, non, je suis direct. Okay. Je suis venu, on dit c'est Fafa, non? C'est Fafa. Donc là, d'abord quand je l'ai vu, quand j'ai entendu d'abord, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. D'accord. Donc quand j'ai entendu parler, il me dit que chacun m'écrit, mais sans tel, que si tu dors, tu es au Bénin là-bas, tu es bloqué au Bénin là, tu dors, vous pouvez décaler quoi, mais il y a un bébé sans de moi, attends. Moi, je vous dis une chose, ça fait un mois, presque deux mois, je suis déconnecté des réseaux sociaux. Ça paye des dimanches là, je me suis connecté sur les réseaux. Et pourquoi? Tu faisais quoi au Bénin là-bas? Je suis allé pour un spectacle. Pour avoir venu. Tu n'es pas allé attacher un peu parce que tu as l'intention de revenir. Tu viens de dire que Babo va te produire. Vous avez parlé, donc vous ça veut dire que tu allais attacher déjà. Vous avez parlé de nous thématiser. Là, attaché là, non pas attaché. On vend pas mouton là-bas. Bébé sans de moi, c'est une bénédiction pour moi. Maintenant, là où je vois que j'ai pas de sérieux, est que même moi, l'original, quand je suis là, les gens essaient tout. Parce qu'à la fin, tu as toujours dit, on essaie de déstabiliser le baobab. Le baobab, c'est qui star en fait. Ils ont réussi à le faire déstabiliser. Mais si tu coupes le baobab, il y a les racines. Qui dit les racines parle de moi? Donc les racines vont repousser. Donc difficile pour de digérer. Bébé sans os, on a compris ce que tu es en train de dire. Mais ma question, tu dis que tu es un professeur de danse, tu maîtrises le game, on est d'accord. Et nous tous, on le sait, tu es un vrai danseur. Ça, il n'y a rien à redire. Mais quand tu regardes bébé sans os demain là, il est fort ou bien il vaut rien? C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas un danseur, donc je ne veux pas le qualifier. Non, il y a le fait de ne pas être un danseur, mais moi je dis... Tu vas pêcher, puis tu dis qu'André Ronaldo qui est fort, d'abord c'est pas un footballeur. Bébé sans os, il est fort ou bien il ne faut rien? Il n'est pas fort, il ne fait rien d'extra. Non, il faut rien. Bébé sans os demande, bébé sans os l'original. Mais ce qui me plaît est qu'il fait ce que j'ai créé, mais dans un autre sens. La comédie dansrale. Donc pour toi c'est un comédien. C'est la comédie dansrale. C'est la comédie dansrale. Dansrale. Oui. Donc, c'est pas un danseur, c'est un comédien. Astiko Dabé, tout ça là, c'est nous, on est en bas, on a créé. Mais comme c'est Yoro qui est le micro, on dit c'est lui qui crée. C'est tout. Il y a beaucoup que nous, on crée. Puis comme on n'est pas chanteur là, on est danseur. Sinon, toute création là, c'est encore là. Bon, mais comme ils savent qu'ils sont inspirés, venus fort, ils me signent retirés doucement, j'ai rien d'abord. Comment ça se passe? Alors, bébé sans os, en parlant de ton mentor feu DJ Arafat, récemment, il y a une forte polémique qui s'installe sur la toile. En disant que Olo Kwacha serait le père de Rafna. Bon, c'est depuis qu'il a fait ses cheveux comme pour Rafna là que ça a commencé. Il a fait ses cheveux comme... Pas écoute, les tresses de Rafna, là, les tresses, là. Ah, respectez moi, Madame franchement, Rafna. Hein. Moi, franchement, voilà. Sur ce côté-là, vous savez, moi... Tu l'as dit moi-même, c'est Audi, tu es femme qui... Non, mais toi, il a dit qu'il était déconnecté. Non, oui, j'étais proche parce que... Oui, nous, on pose la question. Voilà, ici, comme ça, là, vous êtes proche dans le bar. Bien sûr, oui. Mais c'est pas forcément qu'après le bar, vous marchez ensemble. Mais quels sont tes rapports avec Olo Kwacha, justement? Olo Kwacha, c'est un grand frère. Parce que le frère de mon frère... Et mon frère, pour ma vision, pour moi. Parce que si mon frère me dit, lui là, c'est mon frère, et qu'il me dit des trucs, entre lui, c'est que je suis son frère, mais si lui ouvre son cœur, me dit, ah, lui là, c'est mon frère,
C'est que cette sincérité m'a dit. Mm-hmm. Donc automatiquement, c'est mon frère. C'est ça. Donc la position de Lokpacha vis-à-vis du groupe, c'est que Arafat le considérait comme son frère. Comme son frère. Voilà. Et son ami d'enfance. Mais quand on dit qu'il a volé les ordinateurs d'Arafat, tout ça là. C'est différent. Parce que Lokpacha, il n'était pas dans le boulot. Mm-hmm. C'est son ami proche. Oui, son ami proche. Au travail, voilà, ils sont ensemble. Il est au beurre, tranquille, les boyas et tout. Nous, oui, sommes fous au moulin. Bon, et puis, concernant toute la polémique, s'installe sur lui où on aurait dit qu'il aurait volé les ordinateurs d'Arafat. Il a cassé la porte et tout ça. Toi qui étais proche de Arafat et de Lokpacha, qu'en est-il exactement? Oui. Mais si je vous dis que je cherchais à savoir ce qu'il en est exactement, c'est que j'ai menti. Parce que d'abord même, au funérail d'Arafat, j'ai refusé d'aller pas parce que je voulais me faire un genre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'accepte pas le départ de mon frère. Et le jour de son décès, où tu étais? J'étais chez moi à la maison. Non, le jour qu'il est tombé, oui, j'étais en voyage. Ok. J'étais parti faire mon spectacle, je ne dansais plus avec lui. D'accord. Mais je suis allé chez lui avant mon voyage, je lui ai dit que je veux le voir. C'était difficile parce que les dents, la langue, ça se mord, ça saigne, mais c'est dans la même bouche. Mm-hmm. Donc, il a refusé de me recevoir. C'est Oscar Lemota qui a dit non, c'est ton frère. Même s'il a discuté comment, tu sais pourquoi il vient te voir. Fais-le rentrer, tu voulez vous frapper, frappez-vous devant nous. On se séparait, on donne l'eau aux bois. Si vous voulez vous frapper, vous allez vous frapper, il casse que vous parlez. C'est là, ils ont ouvert la porte, je suis rentré. Au début, je suis venu, ça commençait doucement, après ça partait en couille. Mm-hmm. Tu comprends? Mais ça reste mon frère, donc j'ai les Oscars, tout le monde a calmé un peu. Après ça, tranquille, on a commencé à causer. Il y avait la whisky et tout. Les gens du whisky, on a bu tout, on a échangé tout. Il m'a dit, ah bon, tu as quoi pour moi? Question, il paraît que toi, tu es tombé, que tu n'as plus d'inspiration. Puisque ce concept, à 99%, c'était moi le créateur concepteur. Ah bon? C'est pas discuté, même dans Kong, il a confirmé qu'il tape sur les réseaux. Donc, tu fais le directeur artistique derrière. C'est-à-dire qu'en matière de concept économique, c'est moi. Voilà. Okay. Comprenez? Donc, c'est là qu'il m'a dit non. Ah, tu m'entends, mais tu as vu qu'ils m'ont fermé. Des jours, les restes, ils font couper des câlins bizarres. Donc, tu as quoi? Il dit non, c'est rien. Moi, il y a mon concept que je devais faire sortir. Tu sais que maintenant, toi et moi, c'est famille, mais c'est à cause des chansons là que tu fais parler. Mon père, il te dit que j'ai un élément clé qui doit te quitter. Mm-hmm. Mais moi, je te quitte. Donc, pas tu dans penses qu'il s'est retourné contre toi et vous avez des histoires quand tu as décidé de chanter aussi? Non, c'est pour la chanson, ce que j'explique. C'est pour la chanson parce qu'il s'est dit que son meilleur élève, le kit pour aller informer son école. Mm-hmm. Pas que c'est dans la concurrence, mais les gens vont dire, oh, maintenant, là, tu es foqué, mais il y aurait toujours foqué, toi, tu vois. En fait, c'est ce qu'il évitait. Mm-hmm. Mais moi, je l'ai compris parce que son amour était fort que moi. Mm-hmm. Mais il fallait que moi, je prenais aussi mon envol. Mm-hmm. Parce que j'ai une charge derrière moi, j'ai une famille, j'ai des enfants. C'est-à-dire qu'avec lui, tu ne gagnais rien? Pas que je ne gagnais rien, mais c'est pas ce qu'il fallait que je méritais. Et tout le monde a ça. Ah, tu estimais que tu méritais plus? Mais oui, bien sûr. Donc, à un moment. Aujourd'hui, non, je viens. Que tu as des miettes, oui, mais c'est normal que ça crée des histoires. Écoute, on va aller bref dans les émissions. Dans le monde du football. Ok. Soit il y a un joueur qui claque, il n'a pas augmenté son salaire. Puis il fait qu'il prouve qu'on dit qu'à cause de lui, là, le maillot marche. C'est lui, à cause de lui, on s'arrête télé. À cause de lui, truc. Blanc respecte tout. Pourquoi on augmente cacher des gens des stars? Parce que c'est eux le moteur clé. S'il n'y a pas de moteur, ton carburant... Tu aurais pu lui dire d'augmenter ce qu'il a... Tu lui as demandé ça, écoutez, il a refusé. Mais tapez sur Internet. Est-ce que quand il a fait mon palabra avant, il a dit qu'il s'en hausse? Non. Il dit qu'Arafat a giflé sa maman, mais giflé sa maman, mais on s'est battu dans la rue à côté. Non. Il a dit que je réclamais ce qui me revenait de droit. Parce que d'abord... Ce qui te revenait de droit. Ce qui me revenait de droit... Mais revenait de droit, et ce qui doit toujours me revenir de droit, mais en tant que famille, moi j'ai tapé l'œil, c'est ce que j'ai réclamé. Qu'est-ce qui te revenait de droit? Mais revenait de droit, c'est quoi? Je me revenais de droit, c'est quoi? Moi, mes revenus, c'est quoi? Tu touchais combien par caché, par spectacle? Apparemment, il paraît que vous touchiez des miettes, hein? Pas que des miettes, mais pour moi. Bon, vous n'étiez pas bien payé, c'est ce qu'on disait. Ouais, pour moi, personnellement. Parce que je dis, je peux travailler avec un artiste aujourd'hui, où je sais que par caché, touche des 30 millions, 45 millions, 15 millions. 25 millions. Tu as vu les millions dans les scars? J'ai dit, je vois, est-ce que Arafat, c'était pas en tant que danseur, chanteur. À la télé, dans les émissions, c'est comme ça. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Toi, tu as tes tenues de cuisine quand tu es chez toi. Tu as des tenues pour celui de ton homme, toi aussi, tu as des tenues. Voilà. Mais ça, c'est émission, donc c'est des trucs qu'on partage dans le monde. Mm-hmm. Donc, il y a des trucs qui sont stricts. Mm-hmm. C'est en interne, il veut dire. C'est en interne, moi, lui, on parlait. Mm-hmm. Que non. Voilà. On se disait des trucs, tranquille. Mais je vois que ça ne gommait pas parce que quand j'imagine qu'aujourd'hui, moi dans ma vie, je n'ai jamais pris de jet privé. La première fois, plus de jet privé, c'est avec Arafat. Mm-hmm. Je savais qu'un jour, c'était mon souhait de prier chaque jour que le petit bonhomme que je suis soit l'étoile de sa famille. Mm-hmm. Voilà. C'est tout à fait normal. Hein? Mm-hmm. Alors quand tu parles de fermer, tu disais que les gars m'ont fermé et tout. À ton avis, c'est qui l'a fermé? Beaucoup de personnes m'ont fermé, wesh. Tu peux dire les noms? Je peux dire les noms? Dis les noms. Je commence à commencer. Mixez-le. Mixelo avait fermé Arafat. Mais il m'a fermé. Moi, je ne veux pas de moi.
Ou tu parles de quoi? Mixelon a fermé. Non, non, non. Toi. Non. Arafat. Qui avait fermé Arafat? Mais Arafat, ça c'est Arafat. Moi, t'es pas de moi. Moi, toi, tu me dis qui oui, m'a fermé. Mais moi, on te demande qui avait fermé Arafat vu que tu étais un de ses proches. Mais c'est ça de dire là. Moi, je ne vais pas faire le combat de quelqu'un. Je vais faire mon combat. Non, c'est pas une histoire de combat. Non, Arafat est mort. C'est une question. C'est qu'il est mort, il est mort. Attends, ou bien, attends. Ou bien tu as peur que les gars te ferment aussi. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai peur de rien. Si tu n'as pas peur, si tu sais, tu as des informations, faut nous les donner. Et c'est moi, j'ai dit que j'ai les informations d'Arafat personnel concernant ça. Mais concernant son vraiment. Mais non. Le monsieur est mort là. Tu as quoi aller t'arrêter devant ton portable? Tu mets filtre, cœur rose sur ta tête et puis tu pleures. Ok. À quel besoin? Vous voulez savoir? Hein? Vous savez, dans la vie là, il y a des gens qui sont amusés à mes pistes à les études. Beau. Ok. Il y a des trucs qui arrivent par hasard. Mm-hmm. Je sais pourquoi je commence comme ça. Hein? Mm-hmm. Et j'ai des trucs qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit par hasard, parce que les êtres humains pour le hasard existent. Et le côté où il n'y a pas de hasard, c'est moi, ma personnelle, moi, ma vision. Moi, le hasard n'existe pas. Ceux qui devaient mourir sont morts. Ceux qui doivent vivre, vivent. J'ai dit, bébé sans os, quand tu regardes bébé sans os demain, sa corpulence, sa forme, tout ça, tu vois pas que vous ressemblez un peu? On se ressemble gay, on se ressemble point. Yeah. Ah, il est pourquoi? Je suis né comme mon Jean. Donc, il te ressemble un peu. Il ne me ressemble pas. C'est vrai, c'est un respect, mais il essaie de m'imiter un peu pour moi. Alhamdoulilah, il rend gloire à Dieu parce que quelqu'un essaie de me copier. C'est que je suis son idole, en fait. Mm-hmm. Mais c'est ce que Arafat a dit, si vous le mal vous idolez, idolez-vous ailleurs. Mais est-ce que vous voilà. Vous ressemblez là? On ne se ressemble pas, c'est les pics. C'est les pics, c'est pas vilain. C'est de toi. Ah. Mais pas, il se déshabille comme toi aussi quand il danse. Dieu, moi, c'est pas vilain. Donc, tu as dit que le bébé sans moi est vilain. Il n'y a pas dit, moi, je ne suis pas vilain. Ah, mais si deux personnes font parler, qui ont dit toi, tu as raison, qui n'a pas raison là? On va te demander qui a raison. Mais on dit bon, vous êtes deux, vous faites pas là. On vous sépare. Là, tu dis bon, lui là, il a raison. Bessaos. Vous êtes demandé qui n'a pas raison. Bessaos, tu tournes trop autour du pot. Qu'est-ce que tu penses réellement de Bessaos? Dans quel sens? Non, de sa personne. Dans tous les sens? Moi, je me dis que c'est. De toute façon, c'est le coupé décalé qui. Genre, ça fait parler du coupé décalé, mais c'est d'un sens ridicule, au fait. Ah, tu le trouves ridicule? Mais si c'est un sens ridicule. Je le trouve ridicule. Ah, tu le trouves ridicule? Parce que oui, ça veut de prendre mon nom, mais faire exactement ce que je fais. Mais il fait comme moi. Non, c'est pas ridicule qu'il fait comme moi. C'est pas même Rukaska. Non, arrête ça, mais quelqu'un qui a marché et du lion. Mâchoire de quoi? Mâchoir de lion. Lion. Hey, mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'il fait moi? La mâchoire de lion. On aime sous-estimer les gens. Quand vous me rêvez, moi, c'est comme le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça, quand il fait quoi? Toi, tu faisais ça aussi, c'est pas ses limites. Il t'imite, en fait. C'est pas, non, il imite mal. Voilà. Qui est manager de bébé sans os de moi là même? Je pense moi j'ai besoin de Fafa, un bébé sans os de moi et bébé sans os l'original. Le bébé sans os, si ça vient, c'est puis ça mal tourné. Moi je peux l'envoyer pendé. Hein. C'est pas moi t'es mission là. Non, un peu où? Alors ça arrive, puis on prend mon nom. Puis moi même là, le moment il doit payer mes droits. Mais c'est que ton cœur est gâté. Pourquoi tu veux ton cœur? Mes droits. Non, mais pourquoi tu veux mes droits? Il doit payer mes droits. C'est son idole. Mais écoute, c'est mon idole, mais il abuse. Non, lui n'est pas ton idole, toi tu es son idole. Non, c'est ce que dit le monde, c'est le Christ, le monde, c'est que. Mais c'est le gars qui a dit qu'il est son idole. Ah, il parle pas de toi dans ses interviews. Mais vraiment, c'est un foutu, mais d'abord, même, son staff ne rentre pas. En contact derrière mon staff. Et puis, attends. Non, il t'a volé la vedette, ça, c'est clair. Il m'a pas volé la vedette. Non, allez, on parle de lui partout. Hein. Lui, attends, c'est lui qui a volé, et puis, là, c'est son coup là. C'est la négativité qu'il a fait, non, c'est un voleur. Mais son audience, il peut passer inaperçu. Ah, ça il parlait de Versailles? Non, de Versailles. Donc, ça veut dire que. Moi, je ne sais pas si vraiment elle a volé, mais en Afrique, quand ça t'attrape, c'est que tu as volé. Voleur. C'est pas évident. Voleur. On tourne la page. Donc, il dit, aujourd'hui, là, son nom est parti. Tout le monde fait photo à lui. Il a fait quoi de bien? C'est-à-dire c'est la négativité qui pond maintenant dans le milieu de l'année. Mm-hmm. Il fait selon pas d'extraordinaire. Aujourd'hui, je vois le vide dans les émissions, c'est vrai. Mais quand c'est comme ça aussi, là, si aujourd'hui, à travers moi, mon nom, mon image, vous voulez le faire manger. Mettez-moi aussi à l'honneur pour dire, ah bébé, sans, même ça vous fait un truc de comme si on s'est coupé des calais, c'est moins amusant. Bébé sens de moi et bébé sens de. En fait, l'original. Mais c'est lui, si on l'invite, il prend sa mâchoire de crocodile là, il bouge à chaque fois. C'est lui qui prend tout le lait. Émission, c'est lui. C'est lui. Il y a quoi? On essaie forcément de me salir, mais moi j'accepte ça. Pourquoi? Parce que Dieu dit, l'enfant, son enfant connaîtra l'humiliation, mais ne connaîtra jamais la honte. Mm-hmm. Voilà, au début, là, c'est quand Arafat a commencé à se faire connaître, là, qu'on a commencé à nous connaître, on dit Arafat. Sinon, quand on a commencé, nos galères, où Arafat venait cacher 10 000, 5 000, bon, 25 000, 100 000, là, qui était là? Personne. Mais on a l'impression que tu as grossi le cœur, on a l'impression aussi que tu as laissé pour compte. Pourquoi? Parce que, de tous les danseurs d'Arafat qui ont eu la notoriété comme lui,
on a connu Ordinateur, qui aujourd'hui, il est en France, il est dans une école de danse, il donne des cours de danse. Mais on a Bébé Sans Os qui, lui, est à Abidjan. Il se fait usurper même son identité, littéralement. Pendant qu'il est au Bénin, en train d'attacher tous les amours. Bon, vraiment, Bébé Sans Os. Les gens ne s'interrogent pas de savoir qu'est-ce que tu deviens, ce que tu deviens à l'heure actuelle. Ça te fait un peu mal que tout le monde tape l'œil sur toi, personne ne te regarde c'est désormais. Ce que je dis, dans la vie, c'est une question de mentalité, de vision. Le mal, c'est de dire, celui qui n'a pas peur, n'a pas le courage. Son frère l'avait dit, Duke Saga. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. La seule personne... Ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'affronter tes peurs. Voilà. Donc la seule personne parmi nous sur cette terre qui n'a jamais eu peur, le mot peur n'existe pas chez lui, c'est Dieu. Pourquoi? Même Satan a peur. De qui? Mais de paraît Dieu. Que maintenant on te ferme les portes. Ceux avant, quand tu allais, les vieux pères que tu allais voir, mais oui, attends, c'est pas terminé ma question. Faut pas terminer, même quand tu as commencé, mais c'est que ces portes qui sont fermées, ça gâte mon cœur. On dit avant quand Arafat. Je ne suis pas tombé, on essaie de me fermer parce que d'abord, Yorokin criait. On essaie de me fermer les portes. Donc, qui essaie de te fermer les portes? Qui essaie de me fermer les portes? Attends, un exemple. Toi tout à l'heure là, si il vient après l'émission, il dit ah. Mais je suis là, comme toi, tu connais peut-être les producteurs, mais les vieux pères, mais t'attends, essaie de m'aider. Tu me dis qu'à la fois, c'est vrai, t'es occupé, puis t'appelles un mois, deux mois, trois mois. Mais souvent, quand tu me dis, bon, passe à mon bureau, passe à ton bureau et que tu refuses de me voir pendant, de bien me recevoir, pendant que c'est dans ton bureau, on vient te faire commission pour dire que je suis là. Je tape une à deux heures de temps et tu me reçois pas quand je sors. Pendant que, c'est vrai que, c'est moi, tu te rends compte que moi, je suis devant ton bureau. C'est comme si tu te fous de moi, tu me fermes les portes, tu veux pas m'aider, tu me dis, mon petit, allez là, j'ai pas t'aider. Mais dis pas que mon petit, c'est moi, t'aider, appelle-moi, tel, viens dans mon bureau, viens. Mais qui a fait ça? C'est qui? Ça peut arriver. Non, mais ça, là, c'est le père Moula qui m'a fait ça. Bien. Ah. C'est mon père, il le bonheur, il le respecte, mais il m'a fait ça. Moula, c'est que son petit bébé sens aujourd'hui à Rafa qui a fait que son maman a pris premier primide là. C'est Yola qui a lancé ça. Mais s'il n'est plus que moi au-dessus d'un seul puis au-dessus d'un chanteur là, je veux voler d'un autre, genre d'une autre manière. Je vais changer au fait la couleur de Dieu. Mais tu allais le voir pourquoi exactement? Mais il sait, à chaque fois quand je le vois, il y a son WhatsApp là, mon WhatsApp, mon téléphone est là, il y a les preuves. On se parle, il dit mon petit, t'inquiète pas, il ne suit pas son bureau. Mais qu'il passe au bureau, il tape une heure, deux heures, il ne reçoit pas. Mais c'est quand tu sors pour finir ton bras, tu me dis non, mais quand c'est comme non, Dieu. Quand tu dis un petit, plusieurs fois passe, tu ne le reçois pas, plusieurs fois. Puis la dernière fois, mais il va venir, t'as près de une heure, deux heures, sachant que la secrétaire, quand elle est venue, dit que. Et moi, j'ai la secrétaire, va dire à Moula que je suis là. Et je n'ai pas besoin de dire parce qu'à l'entrée jusqu'à la sortie, dans le, il y a caméra. Donc c'est un boss, il a son bureau, puis il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup d'écrans, c'est qui arrive, qui rentre, qui sort. Puis c'est son business d'argent. Donc si moi, même si ce cou est petit, était comme qui le cou minuscule, quand même, tu sais dans la caméra, on peut zoomer. Maintenant, s'il n'a pas pu zoomer, on peut zoomer dans la nuit, je suis comme tu es cou, la caméra peut ne pas te voir. Elle peut ne pas me voir. Mais la caméra peut l'ignorer. Non, peut m'ignorer, mais peut voir trois la pieds. La caméra peut l'ignorer. Peut voir trois pieds venir. Mais donc, Moula peut zoomer. Trois pieds comment? Trois pieds, c'est pas vraiment. Il dit, Moula peut voir trois pieds venir. Trois pieds comment? Comme tu le dis là, peut-être que c'est pas tu es cou, il t'a pas vu aussi. Oui, j'accepte. Maintenant, du moment où Moula dit attends, t'es parlé. Il dit, peut-être que Moula peut voir trois pieds arriver. Trois pieds comment? Mais trois pieds, on a déjà parlé, mon troisième pied. Ah, donc, ça pas selon les étapes. Non, mais quand ça marche, ça vient. Ah, ok. Donc, du moment où je dis à la secrétaire, va dire à Moula, au papa Moula que je suis là. Mm-hmm. Elle dit ok. Elle tourne. Elle s'en va. Elle monte au bureau. Elle entend là-bas, elle n'entend pas bien. Donc, elle descend son cœur chaud. Une petite fille, ma petite soeur, même, je ne sais pas quoi là. C'est son boulot, oui, c'est vrai. Mais faut, même quand tu es énervé, voilà pour dire secrétaire, sache prendre ton sang-froid et parler. Et tu es là pour accueillir. Donc, il s'est passé non, quoi? Non, que vous prenez pas rendez-vous. Et mon boss, vous venez vous débarquer. À cause de vous, mon patron met sa couleur sur moi. Moi est-ce que tu avais rendez-vous vraiment sur lui? Il a dit oui, je ne peux pas prendre. Ah d'accord. Ok. D'accord. C'est pas pour l'influencer, c'est pas pour chercher beurre, c'est pas pour donner nom. On dit Fafa. Je crois en Dieu. Je préfère me libérer. Maintenant, si mon vieux père m'a vu que ah, le petit, il est fâché. Moi, j'avais fait une émission radio où je dis la vérité, la même chose. Il dit oui, il ne m'a pas reçu. Mais j'ai vu que c'est comme si elle piquait mon papa Moula. Mm-hmm. Papa Moula, c'est pas mon camarade, c'est mon grand-père. Il y a autant lui, la commande, moi, c'est moi qui l'ai coupé décalé. C'est moi qui l'ai vu facile. Ah, ton grand-père qui est là aussi. Non, moi, oui. Mon ancêtre. Ton ancêtre. Voilà. Tu comprends, non? Donc, du coup, là, aujourd'hui, là, quand j'ai fait la première radio, là, j'ai vu que maintenant, il invite d'autres danseurs qui préfèrent tel nom. Et puis il dit, ah, qu'est-ce que c'est là, son bal est dansé un peu. Il me lance depuis que moi, je suis un enfant. Mais après, c'est pas parce que c'est pas ça. Non, c'est parce que je me libère. Si je peux pas arriver à le voir. Bon, le problème aussi là. C'est les réseaux sociaux, c'est non. Bon, est-ce que le problème aussi vient du fait que peut-être que tu n'es pas très productif parce qu'on regarde le jeu des danseurs et de la nation. Non, Dieu, tu peux pas me dire que c'est pas très productif. Non, je peux pas me laisser terminer ça. Attends, quand on va au BAMS. Tu peux pas me laisser terminer. Non, tu peux pas me dire ça, mes vieux.
Bon, en quoi non. En quoi est-ce que tu es productif? Pourquoi me dis ça? D'accord. Pourquoi me dis ça? Si quelqu'un injecte des millions sur toi pour te produire, qu'est-ce que toi tu peux rapporter? Comment t'as me dit ça? Attends, c'est comme si j'ai attendu, mais écoutez quand même. Mais tu es un concurrent qui est là, un bébé sans rangement, hein. Bon, et laissons ces étapes. Bébé sans, c'est pas un artiste. Il dit ça, c'est la pure comédie. Quand tu vas rapporter, t'es mort. On veut pas faire quelqu'un m'a moussé. Donc on s'ennuie, c'est les bêtises qui prennent. Donc maintenant, on parle des choses sérieuses. Mm-hmm. Je dis et je le répète. On ne peut pas me poser question. C'est comme toi, on te dit que lui là, c'est l'homme, c'est lui, c'est l'homme des mains du fouet. Mm-hmm. C'est lui qui est resté au fouet depuis sa galère jusqu'à ce que vous soyez ce qu'il est, qu'elle a dit président qu'au fouet est mort, au fouet a tout laissé là. Mm-hmm. T'as dit que non, lui là, t'as douté. Non. C'est imposé, t'as dit que lui, il n'est pas apporté quoi dans la politique. C'est impossible. J'ai donné ma vie, ma poitrine pour Arafat. Mm-hmm. Mais alors là, c'est pas Arafat qui doit te produire. Et qu'est-ce que tu as eu en fait? Quand tu veux produire quelqu'un d'abord, ce qui fait que tu doutes, mm-hmm. la personne n'a pas de visibilité. Mais quand il voulait parler à ça, tu m'as dit quoi? Je viens. J'ai dit non, on va parler. Ah, je viens. Okay. Je viens. Quand tu n'as pas de visibilité, on ne te connaît de nulle part. Mm-hmm. Il faut qu'on te sorte de noir pour t'envoyer à la lumière. Quand tu es en profondeur de mer, il faut qu'on te tire à la surface de la terre. Te remettre à la surface. Mm-hmm. C'est un souffle. D'abord, il faut essouffler. Tu plonges. Mm-hmm. C'est calculé. Il faut inspirer. Soit tu rates, tu meurs. Soit tu ne rates pas, tu es sorti vivant, tu sors la tête haute. C'est mais comme ça. Non, je viens, papa. Mmh. Ça veut dire qu'un producteur qui doit produire, nous même met son nom sur quelqu'un là. Il voit d'abord. Mmh. Parce que moi, j'ai plus besoin d'être à la cour. Mmh. Dès que tu as bébé sur Internet, même bébé sur... Tous les blancs connaissent toute ma vie. C'est que ma d'accord, vie, c'est bébé sur Internet, d'accord. Donc, pour quelqu'un d'abord... Mais tu es produit, là. Il va mettre son nom pour te mettre à la lumière. Mais est-ce qu'en tant que chanteur, tu peux faire le poids? Mais tu es produit en tant que danseur. Mais est-ce qu'en tant que chanteur? Parce qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le coupé décalé. Mais aujourd'hui, on me demande si en tant que chanteur est périlé, mais c'est que c'est l'ingratitude. Non, on n'a pas de chanteur. Mais tout le monde ingrat. Mais tout le monde ingrat ici. Bon, donc vous chantez. Toi, vous êtes ingrat. Moi, on n'a plus de balles perdues, quoi. Ok, chantez. Je ne prends des balles. Bon, chante. Oh, attends, tu sais chanter, chante. En vrai, vous ne me comprenez pas. Je n'ai pas dit que je suis super chanteur. Oui, mais tu sais chanter, non? Aujourd'hui, là. Hein? Pour la devenir quelqu'un là. On dit que non, on a déjà confirmé, lui, il est dans sa danse. J'ai pas dit que je suis dans en chanson. Mmh. Tu as parlé d'Obama, c'est mais petit. Frédéric, non, je viens. Aïe, je viens. Parce que Obama chante. Depuis tu viens, il fait mal, il mousse. C'est parce que c'est habitué. En fait, tu ne me comprends pas. Au fait, ce qu'il te dit là, si moi, c'est-à-dire que je l'aime moins comme il est, c'est-à-dire producteur, tout est cadré, tout est suivi. Mmh. C'est un truc, c'est cadré. Mixer il était. Non, je viens, Mixer il était là quand Arafat a commencé. Audition, si on veut voir même, qui a fait connaître Arafat sur les réseaux sociaux là? Moi, lui, son mot, déjà d'abord l'émission, pardonnez-moi, parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, là, qu'on dit Arafat Aloua, c'est qu'il est là. C'est pas parce que si quelqu'un dit autre, ça, c'est son problème. Moi, il dit, depuis qu'on connaît Arafat jusqu'à aujourd'hui, là, quand ceux qui ont fait les premiers Internet, là, c'est les mix, là, il va mix DJ. Autant. Il dit qu'Arafat a dit que c'est son nom. Donc avant, il n'y avait pas d'autre. Il y avait, oui, mais de la même manière qu'Arafat a pris Facebook pour faire sa télé, et puis il dit Facebook, c'est ma télé, là. Faut dire la manière dont elle était favorisée par Ivoire Mizidi. Voilà, c'est des visibilités, mais c'est eux qui ont fait sa visibilité. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Mais c'est ce que je dis, oui. Maintenant, toi, ce que je veux comprendre, tu allais voir Moula pourquoi? Parce que tu voulais qu'il parce te produise. Parce que j'ai longtemps, je lui pas conçu qu'on allait boire des vieux, moi, chanter. Même il fait mes directs, souvent, il lance des pics. Tu voulais qu'il te produise. Maintenant, oui. Visiblement, vu l'attitude de Moula, on a l'impression qu'il a pas envie de te produire. Tu sais pourquoi Fali, un moment, je sais pas, il fallait t'en prendre tête avec Inos B. Non, j'avais vu une polémique. Si, ouais. Quand Fali a commencé, Fali c'était un dangereux. Et Anobis il a commencé il n'y a pas longtemps, c'était un danseur. Il a cru, quand il commençait, on riait parce que c'est pas son monde, donc le stress. Même tout à l'heure, je me dis de chanter. Même quelqu'un qui vaut ici, vous me dites, un genre manager, c'est tordu. C'est sorti là, c'est devenu tout le monde là à Paris. Donc c'est pas ici, là, quand il me dit, il a chanté là, quelqu'un me dit, mais il faut rien. En studio là, tout s'est transformé, il n'y a plus magie. Aujourd'hui, à tout ce qui est fort. Du moment où il est danseur là, il est champion. Faire quoi? Si moi je chante ma voix, j'ai dit, dans le son, on va faire, Donc tout est arrangé, donc c'est donc, bébé sans pomme. Tu voulais voir. Pas préparé, mais quand ça a sorti, la faut mettre ta voix, c'est pas doux. Tu voulais voir Moula qui te produise, mais apparemment, Moula n'est pas très intéressé. S'il il te reçoit pas, c'est que. Peut-être oui, c'est qu'il n'est pas intéressé. Voilà, peut-être qu'il peut pas te dire, c'est comme moi qui ne veux pas. C'est comme une Ferrari, écoute, c'est comme moi je suis une Ferrari de valeur. Mais qui est garé dans un garage où il y a la poussière. Bon, il n'a pas envie de te dépoussiérer. Est-ce qu'il est obligé de te produire? Il n'est pas obligé. Voilà. Mais quand c'est quoi, il n'a qu'à me dire directement mon fils. Bon, ça là, nous, on va pas mettre. Dépaler, ça là, nous, on va pas mettre en bouger là. Ok. Ça entre le père et son fils. Bon, voilà. Maintenant, concernant Badro, tu as dit que, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, tu as dit que Badro va te produire. Mais si tu n'as pas eu Moula, que tu as eu Badro, c'est pas mauvais ou bien? Mais j'ai dit que mon ventre n'est pas valide. C'est ce qu'Arafat disait qu'on dit Arafat. Ah, toi, tu voulais dire pour toi quoi? Je me vide. Si je n'arrive pas à le croiser pour lui dire en Fafa, et que Dieu a réalisé mon rêve ici dans Fafa,
Donc, tu as profité de Fafa. Donc, dans le Fafa, il y avait Fafa. D'accord, on a compris. On a compris. Ça, alors, c'est le père, le fils. Bébé Sans-Os, quels sont tes rapports aujourd'hui avec Carmen Sama? J'ai pas de rapport avec Carmen Sama. C'est pas, elle n'a pas voulu te donner l'argent aussi. Ça a quoi avoir? Ah, mais il paraît que tu lui avais tout demandé de l'argent, elle a refusé. Je lance l'émission Fafa, mais quand même, mon père m'a quand même posé des questions quand même bien. Mais attendez. Parce que j'ai payé son nom. Moi, Carmen Sama m'a jamais nommé. Laisse-moi, quand tu comptes. Carmen Sama ne m'a jamais nommé. Quand on pose des questions, tu ne peux pas. Mais laisse-nous développer, bébé Sama. Tu n'as jamais demandé de l'argent à Carmen. Écoute-moi, j'ai jamais demandé de l'argent à Carmen Sama. Le jour où j'ai demandé de l'argent à Carmen Sama, elle m'a pris, elle me dit. Mais donc tu l'as demandé. Non, je dis, je t'explique. Mais attends, j'ai fait ton boulot de donner mon argent. Mais j'ai réduit. Non, je viens. Il y avait le vêtu de tout de sa fille. C'est ma fille aussi, qui est d'après moi. Mais elle m'a dit d'organiser des danseurs, pas moi seul. Il n'est pas là. Ceux qui ont venu là, moi, ils font comment? Moi, ben, t'as tiré tout sur moi, ils font comment? Il dit, bon, pour les danseurs, si tu veux, je te donne le truc. Si moi, tu veux, tu ne me payes pas. Mais il faut, tu veux combien de danseurs? On a parlé tout de suite, le nombre de danseurs. Voilà ce que tu dois payer. Minimum devant qu'il y a Yopougon, à Kumasi. Ce ne sont pas les bons danseurs, mais ils sont pas dans les adultes, ils sont à Bobo. À Bobo, ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont pas dans le même coin. Souvent, ils t'appellent un, à l'autre, ils n'arrivent pas à les joindre. C'est chacun qui est de son côté. Non, c'est un budget. Si moi, mon rêve était réalisé aujourd'hui, j'ai dit, il chantait là, il sait que moi, il fait mal parce que je fonce ce que je fais. Donc, j'ai fait. Tu as trop confiance en toi. Oui, trop. Il n'y a plus rien à prouver, mais il y a prouvé encore dans la musique maintenant. Oui. Donc, du coup, j'ai fait le calcul, le chat, j'ai dit, ouais, ça. Et tu as soumis ça à Carmen. Voilà. Et comment ça s'était mis? C'est comme ça qu'elle a demandé de l'argent pour pouvoir faire ce plus bas. Elle a fait ou bien elle n'a pas fait. C'est ce qu'elle a dit. Après, la commandante me dit, je vois. Quand je l'appelle, ça ne répond pas. Elle t'a fermé comme ça. C'est pas qu'elle m'a fermé. Elle n'a pas mon temps. Si elle n'a pas ton temps, c'est qu'elle t'a fermé. Mais c'est dit oui. Mais j'ai pas son temps aussi. Il n'y a pas Carmen Sama. Elle sait qu'elle savait qu'elle aujourd'hui là, c'est parce qu'on parle d'Arafat qu'on parle de Carmen Sama. Sinon, Carmen Sama, c'est qui? C'est quoi? Ah bon? Oui. C'est un être humain comme moi. Et toi, moi, on m'a lynché sur les réseaux sociaux. Et toi, tu penses que. Mon travail, non? Donc, tu penses que c'est à cause d'Arafat seulement qu'on parle d'elle, c'est ça? Mais c'est oui. On connaissait pas Arafat, on connaissait Carmen Sama. Tu la connaissais où? Vous avez fait que l'émission, on connaissait Carmen Sama où? Moi, je la connaissais pas. On connaissait Carmen Sama là où? On était là qu'un dragon, on était là qu'un lapin. Et il a dit dans sérieux. Voilà, donc là, calmez-vous, on calme à l'essentiel. Oh non, Carmen Sama, ingrin. Ouais, il y a mal. Parce que tout ce qu'il a fait pour couper les calés là, les gens ne veulent pas reconnaître. Il y a mon sens aujourd'hui là. Moi, c'est pas plein. Moi, c'est pas une voiture. Je suis pas une moto. Souvent, il marche un peu. Il y a mon jet, c'est qu'il doit gérer. C'est pas beaucoup. Non, je viens. Il est mal. Il marche. Les mamans me regardent et disent, allez, il est tombé. Il n'y en a plus un. Il y a une fois, il est cassé dans de quelqu'un. Tu vas lorsque tu tombes. Mais du moins, il a dit que non, il y aurait mort. Bon, ben, pas dit, il y aurait mort. Tu n'es moins ton âme. D'abord, il est frappé. D'abord, quelque chose, il est beauté. Vous lui dites que même si tu tombes. Il est frappé. C'est pas toi qui frappe. C'est os. Il est frappé. On se fout pas de moi. Donc là, c'est pas maintenant que vous avez vu mes yeux. Non, je vais vous frapper. En cas de la vérité. Donc, bébé sans os, à t'entendre, tu as beaucoup de choses sur le cœur. Hein. Tu as des griefs contre pas mal de personnes et tout ça. Bon, nous, on ne peut pas trop parler dans cette affaire. Toi, qu'est-ce que tu réserves à la population de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, même aux étrangers? Parce que tu as dit que tu revenais en force. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Qu'est-ce que tu vas faire qu'on n'a jamais vu? Que j'ai fait ce qu'on n'a jamais vu. Donc, tu vas faire quoi? Je vais apporter une. Parce que tu parles, on dirait que tu vas venir prendre le pouvoir. Faut nous dire. Mais moi, je comprends. Je suis ni prophète, ni marabout, ni féticheur, ni divin. Ce que j'aimerais dire, moi, j'ai jusqu'en ce moment-là. J'ai cinq singles. D'accord. Voilà. Donc, pour dire de la même manière que quand je crée Père Rafa de chanter, c'était doux là. Moi, j'ai de chanter. C'est vrai, ça ne sera pas pareil. Mais aujourd'hui, là. On pense que menti. Mais tu as créé quoi même concernant Arafat? Parce que tu as créé et puis il chantait. Mais quels sont les concepts d'Arafat que tu as créé? Tu dis même ton dernier concept, c'est moi aussi le Kong? Oui. C'est quoi qui a créé Kong? C'est pas du. Tu vois sur Internet, tu vas voir Coco. Et en dehors de Kong, il y a quoi d'autre? Le reste. Oui, il y a eu beaucoup. Deux matins, dès le soir. Zoropoto, Bankaka, le cuivre, le sépan. Il y a trop, ouais, on ne va pas quitter. C'est même Bouddha. Là, ça commence à voir ma longue gueule là. Ta longue gueule. Ah, mais on dit qu'il y a une gueule. Qui a dit ça? Les diseurs, là, des réseaux sociaux. Alors, donc, bébé sans os, tu as dit, tu as près des 5 singles qui sont vus et tout. Donc, le public peut s'attendre à quoi avec toi? Parce que c'est un grand retour, c'est le comeback. Pas là, la peau que tu fauches, bébé sans os de moi. Hein. T'as voulu la vedette, hein? Les sons à faire de bébé sans os de moi. Bébé sans os de moi, ça, c'est pas du sérieux, c'est que de l'amusement. Quand je te parle aujourd'hui, on me pose la question, on attend quoi de moi?
Mm-hmm. Voilà un petit frère que moi je respecte, m'a toujours respecté, que moi j'ai formé, qui m'est bougnant au BAMS. Mm-hmm. Mais il ne faut pas avoir ses mentis. À part sa carrière musicale, à qui le connaissait en tant que tel dans le monde, on ne le connaissait pas. Mm-hmm. Mais quelqu'un a cru en lui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, étant danseur, c'est ce qui va vite parce qu'il est danseur, donc il sait qu'est-ce qu'il faut créer ça aller vite. Okay. Maintenant, moi, aujourd'hui, à cause de moi, il est arrivé d'être danseur. Mm-hmm. Moi, maintenant, c'est en SOS. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a mis son nom sur moi qui va regretter. Non, c'est impossible. Quand tu dis que tu es en SOS, quand tu es en SOS. Non, c'est les gens qui disent que c'est en SOS. Donc, je vais donner le chat. Tu dis quoi? Tu souffres ou bien tu souffres? Je ne souffre pas, je n'ai pas faim. Non, en fait, mais si j'ai Dieu, j'ai pas faim. Tu as vu tout à l'heure quand je parlais, puis tu étais fâché. Moi, tu sais, il faut être pragmatique. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, non, mais ça dépend dans le sens d'abord. Non, on avait commencé. Qu'est-ce que là, tu proposes? Parce qu'il faut que tu proposes quelque chose peut-être à quelqu'un pour qu'il soit aguiché. Mais c'est ce que je te voilà, dis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux quelqu'un qui va relaver mon image. Non, mais toi, tu proposes quoi? Mais alors, toi, tu me poses une question maintenant. C'est ça, je commence. Il n'y a pas ce temps de brou. Il dit, je veux quelqu'un qui va relaver mon image. Redorer ton image. Voilà, c'est-à-dire quoi? Quand tu tapes au dit bébé, son sœur, c'est l'ancien danseur d'Arafat. À base, tu connais quelle information sur moi? C'est une référence. C'est l'image, là, oui, c'est une référence. Mais oui. C'est cette référence que je veux moderniser, je veux changer. Que... Maintenant, quand tu tapes, elle est artiste maintenant. Mais tu avais déjà fait sortir un son, non? C'est ce que je dis. Faire sortir un son ne veut pas dire que tu es confiant. Il faut que ça suive. Il faut maintenir le truc. Mais au lieu maintenant, toi, je ne te comprends pas. C'est ce que je te dis, je cherche quelqu'un. Non, ce que tu dis, on a compris, mais... qu'il va redorer ton image. Mais au lieu d'attendre que quelqu'un vienne redorer ton image, là. Mais je travaille comme je peux. Tu fais quoi? Donc, chanson qui est partie, tu sais comment elle fait pour chanter, studio là, tu mets ses cadeaux, clip, elle fait, tu mets ses cadeaux. Il me dit, ma manière. C'est passé où? Mais c'est parce que je n'ai pas les moyens, tu me dis, c'est passé où? Et c'est sûr qu'on voit quelqu'un. C'est passé chez nous, il voit TV. Donc, voilà, je fais ce que je peux. Donc, c'est ce que je veux te faire comprendre. Des fois, il ne faut pas trop t'asseoir pour dire que tu attends. Je ne m'assois pas. Ça fait combien de temps, moi qui t'ai habillé? Ça fait 8 mois pour dire que je suis au Bénin. Comment tu gagnes ta vie en ce moment? C'est là, je cherche dans mes petits moments de gombo aussi. Je me cherche. C'est quand il y a 5 singles. Bébé sans os. Ou bien quand il y a un single cadeau, quoi. Bébé sans os, comment tu gagnes ta vie actuellement? C'est dans mes gombo. Quel gombo? Tu danses avec les gens? Toi, tu vas me demander si moi je danse. Moi, je suis artiste. Je demande, est-ce que tu danses avec d'autres personnes? Je ne danse pas avec un autre artiste. Mais tu fais quoi? Comment tu gagnes ta mais vie? Mais je suis artiste. Je chante. On m'invite dans les spectacles. Ah, tu chantes dans les spectacles? Je mets danseur. Ah, d'accord. Ah, tu fais des prestations? Je fais des prestations. Mais l'artiste fait quoi? Ah, tu presses où? Où on m'invite? Maintenant, on finira, il peut aller danser, chanter. C'est mon âme. Ah, même dans mariage, dans divorce, dans baptême, dans tout. Ah d'accord, donc tu es une artiste à part entière. Je suis un artiste, tu es un son, tu fais des spectacles, on te donne des cachets. Ah ben oui. Ah ok. Alors, Bébé Sans, quel est le message que tu veux lancer à ceux qui t'ont apprécié dans le temps, avec Freddy Arafat, qui continue peut-être à t'apprécier, mais qui ne te sentent pas? Quel message tu peux lancer? Le message que moi je peux lancer est que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas vont penser que je suis tombé au soir... Sans scrépi. C'est vrai, dans la vie, Dieu a dit, l'homme connaîtra l'humiliation, mais Dieu ne connaîtra jamais la honte. Donc, juste dis de rester sérieux, parce qu'en Chine, nous sommes toujours restés des garçons. Donc, être sérieux, moi, je suis dans le noir, je suis en train de bosser. Seulement que je suis en mode SOS, comme d'autres le disent, en train de chercher à laver mon image. Donc, je suis en SOS de production. Je vais signer dans un label, là, donc à prier Dieu. Donc, Dieu, regarde voilà. La caméra et puis l'autre. Et je regarde la caméra. Ça fait 1000 fois que j'ai fait ça. Mais les Sokoro, ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Un jour. Donc, je m'en disais ça. Il sera jour. Si j'en profite de Fafa dans l'émission de mon vieux père, Serge Défalé. C'est lui-même qui m'a pris dans ses filets. Tu je cherche. Poisson. Non, mais oui, c'est un poisson, sinon en masse. Le 6 mars, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'en profite des filets de Serge Défalé, de papa Serge Défalé, pour qu'il m'embarque, pour qu'à travers lui, son émission, papa on sache. Papa, il produit en même temps. Mais oui, j'étais tout ça là. C'est de dire c'est ah, là, il là, est pas... là. Il sert donc, il cherche producteur, il cherche la belle maison de production. Mm-hmm. Il y a 5 singles là, tu m'as l'impression de préparer des. Donc, il y a trop d'inspiration. Mm-hmm. L'élève peut devenir maître. Ouais. On me bloque. Moi, je me dis appétit. Je ne dis pas appétit de moi. Science, c'est que oui. Après, on doit te voir un bébé, quoi. Mais ce qui sort bientôt là, c'est mauvais. Le prédateur m'a pris, la maison m'a pris, là, on fait 1 million de vues. Ah c'est bon, hein? Bébé sans os. D'accord. Donc le message est lancé, bébé on a entendu. Bébé sans os, l'original. Donc, peut-être même que Défalé même va te produire, qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Tu vas écouter, hein? Tu seras un artiste du S-Club. Tu vas écouter. Voilà. En tout cas, nous, on te dit merci. Merci. D'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, ton mot de fin, qu'est-ce que tu voudrais que les téléspectateurs d'Ivoire TV retiennent de ton passage dans Fafa? On passe à Fafa. Non, en tout cas, c'était cool. C'est une émission tranquille, chic, choc. On te pousse à bout, ça te met à fond. Et puis bon, c'est là maintenant, c'est ce qu'on appelle émission preuve de maturité. On tape dans ton ventre, il faut savoir vomir. Mais faut quand tu vomis aussi, il faut assez besoin de Fafa. Ah. Si, en tout cas, c'est une bonne émission qui, bon, en fait, qui
développe encore le coupé décalé qui donne de la visibilité encore des artistes. Et bon, ça a félicité à Chola. Et puis bon, en VP, Serge Défalais, son filet qui est à l'épaule. Je suis dedans. C'est un pêcheur. Si tu veux toujours faire fin, moi aussi dedans, ici en terre. En tout cas, merci Bébé Sans Os. Et merci Bébé Sans Os. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. La suite, voilà. On sait que tu vas t'en sortir. Il y aura bon me voir de loin, il sait. Il sait que son petit frère en tas. On sait que mais ne pas descendre pour les empêcher. Tu vas t'en sortir. Vas-y. Mix sur le ciel, toi. Serge est ton falais, ici est toi. T'inquiète. Chola et on en tas. Merci, dames et messieurs, à tous ceux qui ont suivi l'émission. Chola, je fais mes big up vite fait. Ouais. Big up au PDG Pierrot. Big up à la boutique chez Kra, à la 8e tranche des vêtements certifiés. Big up à Frankie Aka, du côté du bazar de Versailles, côté de Macquarie. Et big up à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, Moustapha Diaby. Big up à Medium Kara. Merci à toi. Big up à Madou, beau-fils de Paris. Big up aussi à beau-fils. Merci pour tout. Et big up à Franck Mian, Yacine Mian, sortez couvert. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous avons reçu Bébé Sans Os. Évidemment, j'étais en compagnie de mon coéquipier, Mr. Serge Défalais. On se dit à la semaine prochaine. Mais surtout, j'aimerais faire un gros coucou, un gros big up à ma grande et belle commune de Diabo. Et n'oubliez pas que Chola est habillée par Diva Glam Collection. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À samedi pour un autre numéro de Farafar.